De les mettre en vertical est ancien en fait. Je ne trouvais pas les moyens de les faire tenir. C'était comme un espèce d'hommage aux colonnes sans fin de Brancusi, comme ça, comme un clin d'œil avec cette histoire-là. Histoire d'élévation, une élévation très vaniteuse, comme ça, qui irait du sol au plafond, de la terre au ciel, et qui en même temps ne sont que des cacahuètes les unes sur les autres, donc quelque chose d'à la fois vain et fragile, etc. Et ben, revenir à ce mouvement dont on parlait d'éparpillement, d'éclatement ou de rassemblement et de moment de, où les choses se rassemblent et se deviennent compactes, ben, c'est voilà, un mouvement entre ces deux états des cacahuètes qui ont été représentées à 2 ans d'intervalle. Quoi. Dire quelque chose avec le temps et avec l'espace est au centre du travail. Quoi. Donc, c'est de l'aluminium, c'est très, comment dire, c'est assez laborieux de fabriquer cet objet. Mais, oui, c'est un élément architectonique, on va dire. Qui a l'air d'appartenir à l'espace dans lequel il apparaît. Mais il est, oui, il est arraché ou il est en ruine, il y a quelque chose qui est révélé. Parce qu'il y a une forme de mimétisme aussi entre le mur, l'espace, le white cube d'une galerie ou d'un espace d'exposition, et puis cet objet qui fonctionne un peu comme une pierre d'achoppement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion. D'obstacles dans la régularité des choses. Il y a tout à coup, dans les églises, dans les cathédrales, ils faisaient ça, il y avait une pierre qui dépassait et sur laquelle on trébuchait et qui réveillait un instant les consciences. Ça fonctionne un peu comme ça. Donc tout est blanc, tout est lisse, tout est carré, tout est architecturé. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui se révèle. La pièce s'appelle Instant Gratification. Donc c'est une gratification immédiate qui vient d'où? Qui vient justement de la séduction éventuelle, du brillant, du bronze, qui est une matière à laquelle on se fie, etc. C'est quelque chose de rassurant. Et en même temps, dans la manière dont c'est fait avec beaucoup de désinvolture, si on veut. C'est presque le fruit d'un accident, c'est-à-dire que en observant le bronze en fusion avant qu'il soit coulé dans les moules, il arrive parfois que quelques gouttes s'échappent du creuset et tombent par terre, et ça crée comme un incident dans l'atelier parce que c'est extrêmement chaud, et le bronze au contact du sol froid se met à bouger de lui-même et se met en vrille comme ça, en espèce de dentelle. Donc c'est... J'ai voulu profiter de cet accident, de gérer un accident dans une fonderie, si vous voulez, faire exactement ce qui est a priori considéré comme du déchet ou de la chose dont on veut se passer. On a préparé la fonderie, on en a fait quelques-unes. C'est la seule qui est rectangulaire, c'est la dernière. Elles avaient toutes prises une forme plus ou moins ovale, circulaire. Et celle-ci, on a essayé de la contrôler pour qu'elle ait cet aspect rectangulaire. On est dans un quartier où il y a des tableaux dans toutes les vitrines. Ça joue le jeu et en même temps, je suppose qu'il y a quand même un petit peu de résistance jusque par la dureté du matériau qui n'est quand même pas du velours. Quoi. Ce sont des souffles dans le verre, mais les ballons qui devraient être gonflés sont dégonflés. Il y en a des transparents et des argentés. J'aurais pu appeler cette pièce After Party. Tu vois, c'est un peu
cette idée que quelque chose de très bling-bling puisse être constitué finalement d'objets déceptifs, comme un ballon dégonflé. Et en même temps, il a cette dignité-là d'être vertical, d'être comme un axe sur lequel on peut compter. Après, il y a deux nouvelles tôles en acier que j'ai brûlées avec insistance et qui, à force, sont déformées. Et la matière interne s'est transformée aussi. Ensuite, ces tôles, je les ai envoyées chez le carrossier italien qui a fait ce qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire finaliser des accidents, alors qu'il me dit, mais moi, d'habitude, les gens arrivent avec leur voiture dans cet état-là et ils me demandent qu'elle revienne parfaite. Toi, c'est le contraire. Donc, c'est un peu ce jeu avec ça aussi. Et en même temps, c'est des obstinations à vouloir transformer la matière parce qu'il faut que le feu soit très intense et très ponctuel et dure longtemps pour obtenir ces effets. Après, ça devient comme un objet organique. Une fois qu'il est verni, je pense que le vernis ajoute à ce côté éventuellement fluide ou cosmique. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas comme pratique artistique, c'est de perdre le contrôle, d'une certaine manière. Donc j'invente un protocole. Je me dis, voilà, étant donné une fonderie de bronze avec un bronze incandescent en fusion, accident. Et à partir de ça, quoi qu'il arrive, j'accepte. Avec les tôles, c'est un peu la même chose. Donc je cherche des systèmes où finalement ce qui arrive malgré moi. Thank you.